J'ai pris le plus petit dénominateur commun qu'on peut trouver au niveau mondial pour avoir le maximum de sens, puisque je parle de repas, je parle de nourriture. Donc plus fédérateur que ça, je n'ai pas trouvé, et plus simple que de se mettre à table et de discuter ensemble, c'est simplement du bonheur. Et dans bien des cas, en action même de non-violence, c'est le meilleur endroit pour négocier, pour arriver à partager et reconstruire quelque chose de viable. Nous avons décidé de contribuer de façon active et enrichissante de par l'organisation de ce repas, afin de promouvoir des projets que l'on va pouvoir suivre et qui vont voir se développer de façon saine et cohérente. Donc oui, nous avons décidé de le faire. Je dis nous parce que nous sommes des milliers maintenant à le faire. Il y a des règles très simples que tu peux appliquer dans ton village, dans ta ville, à quelques moments que tu le désires, pour autant que ce soit la même date partout. C'est la première règle. La deuxième, on se nourrit exclusivement de produits du terroir, de l'eau du terrain. La troisième, à chaque fois que cela est possible, on va faire une collecte d'argent à travers ce repas qui va servir à défendre des projets. Un projet qui est globalement soutenu par l'ensemble des partenaires qui organisent ces repas. Ce projet global, il doit être soutenu au minimum à 20% des rentrées financières s'il y en a, et jusqu'à 80% maximum pour des projets locaux. C'est-à-dire que tu as ton association dans ton village, dans ton quartier, dans ta ville, qui a un projet qui va dans le sens de notre code d'éthique, où on tient compte de l'environnement, où on tient compte de la santé, où on tient compte de l'éducation. Et à ce moment-là, tu peux prendre jusqu'à 80% de cette collecte pour le projet que tu soutiens. Les fonds qui sont collectés par chaque partenaire local qui organise ce repas vont être versés à l'association qui est soutenue dans le cadre de ce projet qui est globalement soutenu par tout un chacun. Cet argent ne transite même pas par mon association, il va directement sur le compte de l'association qui est validée et qui va gérer le projet. J'ai créé un mouvement, malgré moi, parce que le projet dont on va parler aujourd'hui me dépasse. Ce projet, il est à toi, il est à chacun sur cette planète qui a envie de le partager, de semer sa petite graine. Donc c'est, l'objectif, il était là. Alors, la première année, il y avait 31 villes, 31 lieux plutôt, qui ont fait ce repas, parce qu'aussi dans des villages au fin fond de l'Afrique qu'ils l'ont fait, qu'ils le font encore. L'année d'après, c'était 49. Cette année passée, c'était 58. Et dans ce cadre-là, je suis tout à fait satisfait du résultat que l'on a maintenant et de la propagation de cette dynamique. Je me suis rendu compte effectivement qu'en mettant 100, 200 personnes ensemble, parce que j'ai vécu ça dans un petit village, dans un pays méditerranéen, que spontanément, quand quelqu'un avait son anniversaire et mettait une table dans la rue en disant « Hoy es mi cumpleaños, viene por favor », et de voir que les gens autour viennent aussi avec leur table, avec un petit peu de vin, de jus de fruits, quelque chose à manger, du terroir, etc. Et de me rendre compte qu'au bout de trois quarts d'heure, il y avait 120 mètres de rue qui étaient occupés par tous les habitants qui avaient décidé à ce moment-là de dire « Ah, bah, c'est l'anniversaire de Carmen, on va le faire avec elle ». Et moi, ça m'a comblé de joie de voir cela. Et j'ai vu qu'ils en profitaient pour résoudre des petits problèmes qu'ils avaient entre eux et qu'il y avait des solutions qui arrivaient de façon totalement spontanée et non violente. Et je voulais être aidant pour des projets éducatifs, autant chez nous que dans des pays en voie de développement. Qu'une nuit, je me suis réveillé et j'ai pensé à cette histoire-là, de cette longue tablée. J'ai pensé au projet pédagogique et je me suis réveillé et je me suis dit, mais c'est une folie ce que je pense maintenant. Est-ce que je vais le faire? Et j'ai une petite voix qui m'a dit, Michel, si t'es fou, fais-le. Si j'avais pas essayé de le faire, je serais pas aussi bien qu'aujourd'hui, parce que j'aurais jamais su si ça allait fonctionner ou pas. Et ça m'aurait pesé. Je dis merci la vie, simplement. C'est ça qu'il faut à la base, quand tu veux réaliser un projet, c'est la confiance. Pas la confiance qu'en moi, mais la confiance en la vie. Sachant que la vie, elle va m'aider, si c'est quelque chose qui va dans le bon sens, mais elle ne va pas me donner à moi ce que j'ai besoin. Elle va, à travers moi, donner ce qu'il faut pour que la vie continue à se réaliser correctement. Et je sais que si je fais confiance en ça, le projet, il avance. Voilà. Et si d'autres gens veulent monter du projet, c'est cette confiance-là qu'il faut.